Mais qu'est-ce que... Johnson, qu'est-ce qui se passe? Le... Il n'y a plus de courant. Attendez. Je vois bien qu'il n'y a plus de courant. Directeur Falk, pardon de vous interrompre, mais on a besoin de vous tout de suite au labo. J'espère que c'est important, docteur. Une importance monumentale. L'éthéré se réveille. Ça sent le changement de plan. Allez au labo, Carter. Je vous y retrouve. Bien, monsieur. Carter, quoi que vous soyez en train de faire, arrêtez tout de suite. Vite. Carter ? Carter ! Au nom de Dieu ! Tu es jeune, trop pour être éveillé, mais tu es plus fort que prévu. Je m'appelle William Carter. Et toi, tu es qui? Tu parles avec la voix de William Carter, mais parce que tu ignores encore qui tu es. Non, je suis William Carter, mais je suis aussi autre chose. Tu t'es lié à William Carter. Il forme une part de toi sur cette planète. Mais ton existence transcende la sienne. Alors, Carter est un hôte. Mais... Je suis comme toi. Nous ne nous attribuons pas de nom, même si nos hôtes des diverses réalités nous en ont donné beaucoup. Le plus courant de ces noms est éthéré. Mais que sommes-nous? Nous sommes des êtres d'influence. Quand tout va bien, nous nous transmettons sagesse et savoir, mais la situation actuelle l'empêche. Genesis se rapproche. Comment est-ce possible? Genesis est mort? Carter l'a tué? Il y a hélas beaucoup de choses qui t'échappent encore. Mais d'où venons-nous? Où est notre monde natal? De nombreux mondes sont insémés par l'un des nôtres. S'il existe un monde natal, nous avons depuis longtemps oublié son emplacement. Comment me suis-je retrouvé dans le corps de William Carter? Quelle est la première chose dont tu te souviennes? Quand as-tu pris le contrôle? William Carter était blessé, mourant. Son esprit apeuré cherchait de l'aide. Une guerre commençait. Ensuite, j'étais William Carter. Et nous combattions. L'arrivée d'une forme de vie avancée sur ta planète t'a éveillé. William Carter est l'hôte que tu as trouvé. Le lien avec un hôte ne se limite pas à occuper un corps. Tant que vous serez liés, tu seras William Carter, et William Carter sera toi. Parle-moi de toi. Je suis comme toi, mais beaucoup plus âgé. Je me suis éveillé sur ce monde. Je me suis lié à un jeune savant que j'ai hissé au rang le plus élevé. C'était Genesis, oui? Oui. Ensemble, nous avons ouvert une ère de prospérité inouïe. Notre plus belle réussite fut le réseau que tu connais sous le nom de Mosaïque. Tu as dit que Genesis approchait. Tu aimes l'action. C'est un trait admirable. Mais si tu as des questions, c'est le moment de les poser. Les nôtres se rencontrent rarement. Si Genesis demeure une menace, nous devons agir. Après.
prise de conscience est intervenue prématurément, mais s'accompagne d'un penchant pour l'action. C'est bien. L'épuration réclamera que nous unissions nos efforts. L'épuration. Il faut purger ces mondes et stopper à jamais la croissance de mosaïques. Sacrifier une espèce aussi jeune est une tragédie, mais il faut contrer Genesis. Cela signifierait la fin de l'humanité. C'est déplorable, mais nécessaire. Elle doit périr afin que d'autres espèces échappent à l'emprise de Genesis. La vie continuera et le moment venu nous offrira d'autres hôtes. Tu parles d'extinction de l'humanité. Les habitants de cette planète n'ont rien fait de mal. L'humanité s'est désormais nous capturer et nous asservir. C'est inacceptable. Ce savoir et toutes les bribes restantes de mosaïques doivent être détruits. Je refuse d'anéantir ces gens. Je me suis éveillé ici. Ce monde est autant le mien que le leur. Peut-être. Je sais les choses que tu ignores, mais tu sembles détenir une sagesse qu'il me reste à acquérir. C'est entendu, nous envisagerons d'autres options. Une petite minute. Personne ne fera rien avant que j'aie eu mon mot à dire. C'est magnifique. Pas de là où je me trouve. Carter, non ! Je m'attendais pas à ce que ça marche. Regarde-moi! J'aurais pas pu les sauver. Pas même avec ton aide. Quand on me les a pris, j'ai cru avoir tout perdu. Papa, je sais pas où t'es! Will, aide-nous! Pas de là où je me trouve. Mais toi, tu m'as pris tout ce qui me restait. Tu m'as pris ce que j'étais. Et là, y a plus que nous. Toi et moi. Et un seul d'entre nous en sortira vivant. Mais toujours en fonctionnement. Connectez-vous et dites-nous ce qu'il en est. Non, je ne peux pas y retourner. Ce serait ma fin. Ils sauront tout. C'est un risque à prendre. C'est une certitude. Je comprends pas comment ce réseau peut encore fonctionner. Je n'en reviendrai pas. Vous avez ma parole. Nous ne vous y laisserons pas plus longtemps que nécessaire. Très bien. Nous y sommes. Transmetteur, branché. Là, vous avez trouvé. Je lance l'analyse. L'analyse de quoi? Il dévore toute notre putain de planète. Oui? Les données, elles se sont déplacées. Je remonte la trace du signal et je... recueilli et en sûreté. Non, il les a prises. Le prisonnier est localisé. Weir, coupez-moi cette connexion. Bon sang, il nous faut ces données! Passez devant, chef. On est avec vous, Carter. Vous avez toujours été différent des autres, Carter. J'aurais pu deviner que vous étiez le prisonnier. Des boucliers! Balancez tout! Vous ne me garderez pas toujours prisonnier. Vous savez ce qu'est la captivité. Progression vers les défenses de la base. Vous pourriez vous libérer, évidemment.
Mais vous allez manquer de temps. Ne bouge plus. C'est moi qui prends les décisions, bordel. Carter, rendez compte. Il va vers les défenses des renforts. Reprenez-vous, bon sang. C'est ce que j'essaie de faire, bordel. Attention, priorité zéro. Appel à tous les personnels. À vos postes, soyez prêts au combat. La base est attaquée. Ce n'est pas un exercice. Nous allons nous emparer de votre base, puis de votre planète. Mais vous pouvez encore nous rejoindre. Vous détenez une chose dont nous avons besoin. Vous hébergez l'un d'eux, comme le faisait Genesis. Il vous suffit d'en prendre le contrôle. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Regardez autour de vous. On est au labo des matériaux énergétiques. Oh merde, des bombes ! Il va transformer la base en confetti ! Non, il le fera pas. Folk, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais inconscient? Pourquoi ces données sont-elles si importantes? Genesis est vivant. Il nous a suivis à travers le portail Ven, et il a amené une gigantesque machine de guerre. Cette base est sa première cible. Ensuite, il s'attaquera à nos villes. Et cet infiltré détient les données dont on a besoin pour arrêter Genesis. Exact. Ici. On va le coincer. Carter, on va manquer de temps. Vite! Quelle est votre situation? On approche de l'infiltré. Mais il dit que... C'est cette chose. Il faut la combattre. Cet éthéré a été un outil précieux lors de ce combat. On ne peut pas se permettre de le perdre. En particulier maintenant. C'est compris? T'as réussi à convaincre Folk?